Je m'appelle Robin Agrand, j'ai 18 ans, je suis en terminale ES au lycée d'Ota de Séverac et je suis en même temps un double cursus scolaire car je suis en section arbitrage au lycée. J'ai commencé l'arbitrage en octobre 2013, donc j'ai tout d'abord suivi mes stages dans mon district dans le Lot. Donc ce stage m'a permis de devenir stagiaire arbitre. Ensuite, au mois de février 2014, j'ai suivi une formation de 3 jours à la Ligue, tête de Castelmoro, avec Olivier Tual, où c'était une nouvelle formation qui allait dans le futur être mise en place dans tous les districts de France. Donc après, j'ai arbitré jusqu'au mois de mai dans mon district. Au mois de mai, j'ai été présenté à la Ligue pour passer le concours jeune arbitre de Ligue, que j'ai réussi et du coup j'ai commencé à arbitrer en ligue en septembre 2014 et l'année dernière au mois de juin 2018 j'ai passé le concours de candidat jeune arbitre fédéral, donc le concours la théorie au mois de juin au Crêpes à Reims et donc ce concours je l'ai réussi et donc je suis cette année candidat jeune arbitre de la fédération et j'ai eu 3 observations cette année sur le terrain et on attend les résultats qui vont tomber fin avril début mai pour savoir si je suis jeune arbitre de la fédération et du coup si je réussis cette année je vais passer jeune arbitre de la fédération et je vais passer au niveau senior au niveau régional. Je suis venu à la section arbitrage à Toulouse parce que j'avais envie de progresser, d'évoluer dans l'arbitrage et du coup cette section m'a permis de me développer au niveau et d'apprendre beaucoup de choses, notamment sur l'aspect humain, l'aspect tout ce qui est le travail athlétique d'un arbitre, la préparation d'avant-match. Et ensuite ça nous a permis de travailler beaucoup la théorie et du coup ça m'a permis de passer le concours pour devenir candidat jeune arbitre de la fédération. Mon meilleur souvenir en tant qu'arbitre sur le terrain, c'est mon match, premier match en tant que candidat jeune arbitre de la fédération, Poitiers, Girondins, Bordeaux. C'est mon meilleur souvenir car sur ce match, je me suis rendu compte que le niveau national et le niveau ligue, il y avait une grande différence entre le niveau 17 nationaux et le 17 R1. Donc il y avait une grande différence et c'est là que je me suis rendu compte que j'allais prendre un plaisir incroyable à arbitrer toute la saison en 17 nationaux. J'aimerais tout d'abord réussir le passage jeune arbitre de la fédération. Donc après, si je passe et que je réussis cette année, après être jeune arbitre de la fédération, mon objectif ça serait d'aller le plus haut possible à l'arbitrage, voir les étapes qui sont et les opportunités qui sont offertes à moi sans passer une étape, mais prendre les étapes petit à petit et voir les opportunités qui seront offertes à moi pour aller le plus haut possible.